qu'on a tous un peu le stress de c'est des situations c'est de l'interdisciplinarité, donc des situations qu'on connaît pas du tout, qui sont pas du tout propres à notre profession parfois, et donc on a un petit peu ce stress de ne pas savoir faire, mais en même temps on découvre un peu ce que font les autres, comment communiquer aussi. Et puis c'est surtout ça, découvrir à la fois plein de pathologies, mais aussi comment fonctionnent les autres corps de métier. Bah, c'est clair que ça nous prépare à ce qui nous attend plus tard, finalement, parce que c'est exactement ça, ce à quoi on sera confronté. Certains d'entre nous auront une préférence pour les urgences, et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec Valtra. Donc je pense que c'est une bonne expérience en prévision du futur. C'est vrai que quand le patient arrive à l'hôpital, il est là et au final, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé avant. Nous, on prend la relève à ce moment-là et puis c'est comme ça que ça se passe. Faut avoir 4 bouches, 8 yeux et puis 4 mains pour pouvoir tout faire en même temps et tout dire. J'avais presque rien qui pouvait apporter de connaissances, mais j'ai pu quand même faire tous les gestes et apprendre pour la prochaine fois au cas où. Je pourrais en tout cas savoir un peu plus. Oui, le long de l'herbe, et après on a vu des vaches, et là on a glissé, et du coup là j'ai vraiment très très mal. Et mon ami aussi, il peut pas bouger. Et il est tombé aussi comme moi, il a chuté, il a roulé sur lui contre des cailloux, il s'est tapé la tête. Ouais, ça joue. Top. On doit marcher à peu près 100 mètres et devrait être par là. Ok. Ce qui serait top pour moi, c'est qu'il y en ait un des pompiers chez vous qui prenne le lead au niveau de l'extraction, comment on va faire, et on discute ensemble. Ça joue pour vous? Elles sont conscientes, elles respirent et elles parlent, donc elles sont conscientes. Okay. Le terrain, il n'est pas accessible, je sais pas, le randonneur qui était présent, il m'a dit qu'il y a potentiellement 3 victimes, je vois pas de 3e victime.
Je vois que deux personnes. Ok. Pour descendre. Ça marche. Alors, son matériel. Ouais. Okay. Ça joue. Il y a un gros taxi avec le sac à moche. Les pompiers n'ont pas le même canard que vous. Donc, Et puis votre leader d'intervention va arriver. Il doit sécuriser jusqu'à la fin. Ok, on va pour toi. Ça marche. 14h15, je peux compter qu'il peut sortir. Je suis directement à l'hôpital. Ok. J'ai pas d'instabilité. Xenia ! Ouais. Excuse-moi. Un brancard, que tu viennes avec. Vous pouvez me dire où vous allez aller. En tout cas, il y a une chute maximum de cette hauteur. Donc, voilà. Donc, là. Vous avez quelque chose dans la bouche, là ? Ernesto, c'est Romain. Je t'aime beaucoup, monsieur. Respirez bien fort. Comme ça, on gère un petit peu. Donc... Ouais. Il est bien fort. C'est pas grave. Quoi ? Oui, le deuxième, on va se le faire. Parfait. Super, madame. Tiens, on va mettre la planche comme ça, madame, la tête. Ok, madame, je vous tiens la tête. Hein. Je crois qu'il y a son sac aussi. Le sac, on peut couper ou pas? C'est vraiment lui au niveau de ma respiration. À 3, 2, 3, on y va tout doucement. Merci. Non, ça c'est la première fois. Le truc, c'est qu'on va pouvoir mettre une ceinture comme ça. Salut. Elle est trop stylée. Tu vois la lanière ou pas? Mais instable aussi pour un plus simple, un bassin. Vous allez prioriser. L'homme à 3, 1, 2, 3. Vous êtes prêts? Ok, c'est des... Sors déjà en bout, c'est important. T'as l'oseux qui est encore branché. Je vais pour En fait, je comprends pas, mon mari, d'un coup, il a arrêté de parler, on était en train de discuter, il s'est arrêté net, il n'arrive plus à bouger son bras droit, sa jambe droite. D'accord, est-ce qu'il vous êtes à côté de lui? Est-ce que vous avez l'impression que son regard est fixé sur un côté ou il regarde comme d'habitude? Non, son regard, il est vraiment fixé. Est-ce que vous pouvez venir rapidement? Je suis vraiment très inquiète, d'accord. J'angoisse. Oui, s'il vous plaît. Je m'appelle Loïc, je suis étudiant ambulancier. Bonjour, monsieur. Là, votre mari, probablement, il est en train de faire quelque chose au niveau cérébral, d'accord? Donc, on va se dépêcher d'aller à l'hôpital pour pouvoir aller faire un scanner et voir ce qui se passe. Nous, quand on arrive sur place, il est encore assis avec ces symptômes-là. Il nous fait un épisode de convulsion d'environ 4 minutes. On traite avec 5 mg de midazolam IN. Oui, elle est gentiment jusqu'au scanner. Je pense que ça doit être bon là maintenant. D'accord, comme ça je fais son entrée administrative. Ça joue. Oui, bonjour, je vous appelle, il y a mon copain, il va pas bien, je l'ai retrouvé, il est inconscient. Il est à quelle adresse? C'est au chemin de la Grande Cour, numéro 13, à Troinet. D'accord, il respire? Bah non, je crois pas.
vous arrivez à mettre votre main sur son thorax et vous me dites top à chaque fois qu'il fait un mouvement ventilatoire. Non, mais je vois pas. Ouais, je commence. Et bon. Je continue. Continuez jusqu'à ce que vous voyez un ambulancier ou quelqu'un qui vient en renfort. D'accord. Allez, on continue jusqu'à ce qu'il prenne le relais. Comment ça fait combien de temps? Ça fait 5 minutes. Ok, tu reprends le massage là. Ça fait 5 minutes déjà? Ouais. Ok, tu l'as découvert comment? Il était comme ça. Ouais. Pratiquer 5 cm. Oui, et puis la vie de la mode, ok, on a un coup. On a la miodarone qui est en train de passer. Ça marche. Donc au niveau du A, ça va pour la ventilation. T'as pas d'obstruction ou quoi non, que ce soit. Ça soulève bien. Au niveau du B, c'est contrôlé. Attends, j'ose te parler ou t'es en surcharge, ça joue pour toi. Nous après ce qu'on va faire c'est qu'on va partir très vite avec le patient. Ce qui est important pour moi, c'est que vous fassiez du relationnel avec la femme. Ce qu'il faut dire, la situation, même que son cœur est reparti, elle est grave. Je ne sais pas comment ça va suivre. Hein. Ok. Pas donner trop d'espoir. Pourquoi son cœur s'est arrêté? On ne sait pas. C'est qu'on va à l'hôpital. Ça joue pour toi. T'es à l'aise de faire ça ou pas? Sinon je peux appeler une cellule psychologique aussi. Hein. C'est bon? AED, 4 chocs avec une réanimation qui n'a pas d'effet. À notre arrivée, il est en fibrillation ventriculaire, on le choque une fois sans effet. Le sixième choc, l'AFV est choqué, il repart en RUSC, suivi d'une TV avec pouls, on le cardioverse. Il repart en ACR. Donc après, il est nouveau en ACR. Ouais. Le prochain rythme à analyser, c'est une TV qu'on rechoque. Il repart avec une TV avec pouls, du coup on leur cardioverse et maintenant il est en RUSC. Donc il a reçu combien de chocs en tout? En tout, 6 chocs et 2 cardioversions. Ok, et puis il est en RUSC. Complet. Oh, regardez madame, vous en faites pas. Aïe, 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 vous me faites mal. Non, il n'y a rien. Ok, ça va, parfait. On observe si vous avez quelque chose de sérieux. Ouais, mais ça me fait mal à la tête quand même. Ouais. Ouais. Sur les jambes, t'as pas de mal? Non, ça va. D'un arbre, ouais. Ok. Donc, ça marche? Ok, alors regarde avec eux. C'est en intervention. Puis Julien, tu... Saignement à la tête. Ok. Stoppé. On va faire un maintien de tête. Ok. Et puis à immobiliser. Oui, ouais, 10 minutes. Bah justement, c'est difficile d'investiguer parce qu'il y a une amnésie complète. Ça ira plus vite. C'est un peu de ma faute, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Ouais, je fais. Ok. T'as juste reprendre, je vais pas tenir avec ta puisque je vais faire un moment. Oh, pas de soucis. On peut à 3, 1, 2 et 3. Ah. Ok. On peut poser. Maintenant du coup, Guillaume Xavier.
Xavier, la suite. Là, on peut venir. Après, toi, tu viens scotcher chez phase 2 et 3. Ok. Maintenant, on fait le quart de tour. Super. Même deux. Ok, et on recule. Attends, je dis pas avant. Hein. Ok. Une heure. Alors ce qui change, c'est nous, par exemple, nos prises en charge qu'on fait comme premier répondant. Là, on nous dit, donc dès qu'on a fini notre schéma, on nous dit, ok, maintenant, il y a les ambulanciers qui arrivent, mais en fait, il n'y a personne qui vient. Et là, ce qui change, c'est qu'on a vraiment les ambulanciers qui arrivent et on doit leur faire une transmission de ce qu'on a fait et de ce qu'on a vu. Et pour ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on l'a fait vraiment de A à Z. Et après, on peut vraiment aider les ambulanciers pour tout ce qu'ils nous demandent. Et aussi sur le contexte extérieur, donc on arrive vraiment en camion, on se déplace dans la ville, on va sur des situations, dans des milieux réels. Et ça, en fait, ça rajoute vraiment énormément au réalisme de l'intervention. Et c'est vrai que enfin, presque, on ne fait pas la différence d'une vraie intervention à ce genre de simulation d'exercice. Ça, enfin, il y a un côté vraiment stimulant et impressionnant. Et ça rajoute du stress aussi. Okay. Bonjour, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu un accident, il y a eu un gros choc, il y a beaucoup de gens. Je suis à la blanchisserie de Bédidé, mais il y a beaucoup de gens. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il y a des gens qui crient, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement. Il y a un gros accident, il y a plein de voitures. Franchement, je crois qu'il faut vous dépêcher. Il faut vraiment venir très vite. Hein. Madame! Ouais, il y a trois voitures, je sais pas combien y a de gens dedans, mais il y a beaucoup de bruit, il y a des gens qui crient. Je sais pas s'il y a des gens morts. Il y a des gens qui ont été propulsés. Ouais. J'ai rien osé toucher. J'avais combien de victimes? Vous savez combien? Non, j'arriverai pas à vous dire là, je n'ai pas osé m'approcher, c'est trop. Ok, voilà. On va aller regarder avec mon collègue. Oui. Et oui, puis oui, vous, ouais. Si vous pouvez juste rester par là, d'accord. Vers l'ambulance. On va sûrement vous amener des gens si vous voulez. Il y a des gens qui vont venir. Ouais, il y a plein de gens qui vont venir. Monsieur, on arrive tout de suite, vous êtes combien dans la voiture, monsieur? 144 de Salbu 2, 6, 8, répond. Bilan d'ambiance, on a un accident impliquant 3 voitures. J'ai besoin des pompiers, 6 ambulances, 2 SMUR. Il y a quelqu'un qui vous attend sur place, vous avez le parking. Au niveau des dangers, il y a des voitures qui sont encore non stabilisées. Dans un petit instant, le temps que vous le mettez en place, on va stabiliser le véhicule. Et ensuite, on va vous sortir. Ok. Est-ce que vous allez là vous lever tout gentiment si je vous donne un coup de main? Restez là. Oui. Restez là. Voilà. Nous avons deux femmes dans l'autre véhicule, dont une enceinte, et une personne qui est sous son véhicule sur celui qui est retourné sur le plan. Okay. Donc voilà, on va voir s'il y a des pronostics vitaux engagés et puis faire le nécessaire. Ouais. Donc nous on a fermé ici avec notre véhicule. Alors, il est 9h45, si je résume, c'est AVP multivictime. Exact. Avec au total, tu m'as dit 6 blessés, plus 1. Égale 6 urgents et 1 oui. Non urgent. Exact. 2 par véhicule, sauf ce véhicule où il n'y en a que 1. Non, il y en a 2 aussi. D'accord, il y en a 2 aussi. Donc 2, 4, 6. Mais il y en a qui n'est pas incarcéré. Plus 1 non urgent. Juste. Exact. Ok. Le non urgent est où? Au nid de BC. Au nid de BC d'aide. Excellent. Tu m'as dit accès pour les secours sanitaires par l'avenue de Bel Air, exact. Le chemin ici, oui. Et puis ils font une noria ici, jusque-là. D'accord, ok, très bien, c'est bon pour les pompiers aussi. C'est bon pour les pompiers. Ok, donc on l'a fait ensemble. Ici on verrouille, c'est pas pour nous, ça marche. Et puis tu m'as dit en termes de renfort que tu avais demandé 4 moyens médicaux. J'en ai un à ta disposition, un deuxième SMUR qui va arriver. Pour l'instant j'ai un SMUR sur site parce que la REGA a été engagée. D'accord, très bien. Combien d'ambulances tu as engagées? 6. 6, c'est parfait. Au vu de la victimologie du nombre actuel, je te propose qu'on reste à 6 pour le moment. C'est bon pour toi? Oui, magnifique. Très bien. Pour moi, la priorité.
non, mais j'ai des blessés graves. Des blessés graves, ok. Ouais. Qui sont, tu sais... T'as... Stop, okay. Nathan. Est-ce que ça va? Ça va. Ok. Ça va. Tu es attaché. Attaché? Ouais. Est-ce que vous avez eu des infos de Lohan? Oui, c'est moi. C'est... Le patient est tout à fait stable. Parfait. Donc, normalement, il n'y a même pas trop. On vous contactera quand ça ira mieux. Bon courage. Okay. Bonne journée. Daniela, elle continue. On l'a préparé. On va voir le bassin. On met un peu la pression aux épaules, quelqu'un au niveau du bassin. Et puis. Ok. On a tous les patients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.